Bonjour à tous et bienvenue dans la semaine de l'écho. Cette semaine, je reçois Xavier Niel, qui a décroché la première place du de classement des 50 Français les plus influents dans le monde du magazine Vanity Fair, 9e fortune de France, créateur de Free, l'un des premiers business angels français, fondateur de la station F et de l'école 42, investisseur dans plusieurs médias dans le monde, et Lops. Bonjour Xavier Niel, merci beaucoup d'avoir accepté Bonjour. notre invitation. Merci, ma Alors vous êtes l'homme le plus influent du monde hein, pour Vanity Fair, qu'est-ce que ça vous fait je, 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 ils sont très gentils, nos camarades de Chevalier de Fer. Non, je, je pense qu'ils ont mis un certain nombre de, de portraits en avant, une cinquantaine de personnes qui ont un petit peu... Ça euh... vous touche ouais, Ça fait toujours plaisir, ça fait du bien à l'ego ça, ça, On est d'avoir gagné quelque chose, donc c'est une forme de prix. Mais je pense que je, ce qu'ils mettent, c'est des profils différents en avant et je, je suis ravi d'être premier, mais je pense qu'il y a d'autres personnes qui sont au moins ou qui méritent autant cette place que moi. Vous avez dit vous vous êtes fait tout seul un jour, c'est vrai bah, je ne sais pas si je. je alors j'étais déjà très présomptueux, mais je, je suis né dans une famille euh, normale de banlieue parisienne, dans une ville qui s'appelle Créteil. Et puis ensuite, bah, j'ai eu la chance en partant avec pas grand-chose, avec 1000 francs, d'avoir de, 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 un parcours parfois chaotique, mais qui au bout euh, me permet de faire des choses qui m'intéressent. Complètement Autodidacte, J'ai quitté l'école euh, très tôt à 18 ans. La Freebox, euh, c'est le fruit d'une vision C'est ça le grand moment de votre vie euh, professionnelle bah, je, Ça fait partie des choses mises en avant dans cet article. Mais en fait, l'idée, euh, c'était simple c'est de dire Internet, on ne va pas s'en servir c'est juste des tuyaux pour passer des informations. Donc il va falloir passer autre chose. Et un peu comme si on avait inventé l'électricité, mais qu'on ne sait pas quoi faire avec l'électricité. Et à ce moment-là, notre idée, c'était de se dire il faut créer le produit qu'on va brancher au bout de ce tuyau qui est Internet, et donc délivrer de la voix et de la télévision. Donc c'était disruptif, euh, finalement, cette euh, Freebox Vous avez piraté le système à ce moment-là bah, C'était assez compliqué parce qu'on ne s'attendait pas à ce que sur une simple ligne de téléphone qu'on peut avoir chez soi, on puisse faire passer de la télévision. Donc ça apporte quelque chose de différent. Ça amène, pour pas très cher, à tous les foyers la possibilité d'avoir un nombre illimité de, de chaînes de, de télévision. Donc c'est quelque chose qui change un peu l'écosystème. À un moment, on avait Mais six ça chaînes de télévision. Sans, oui, ça, ça a changé également l'univers des télécoms ça a changé l'univers euh, de la choses. télévision. Ça a permis le replay, c'est-à-dire de regarder non plus toujours en direct des émissions c'est-à-dire la possibilité de vous regarder. Bah, le vendredi après-midi à l'heure de Paris mais pouvoir le regarder à tout mais moment mais comment y avez-vous pensé comment avez-vous eu l'idée de cette rebox on était je, je, je sais qu'on est censé être deux à être les pères après c'est un travail d'équipe et on est plusieurs à avoir cette idée en se disant il faut qu'on amène quelque chose sur studio et la vidéo c'est quelque chose de naturel et youtube se met à exister quatre ans plus tard sur un peu le, la même idée le même constat en tout cas, vous étiez tout de même parmi les premiers, et ça a entraîné effectivement une mmh. espèce de révolution au sein des, des télécoms. Alors évidemment, gros succès, vous êtes devenu un business angel depuis, un investisseur dans les start-up. Vous avez financé à titre privé, donc à Paris, à la fois Station F, une sorte de campus pour les start-up, et puis vous avez également financé l'école 42 qui forme des développeurs. Vous avez déboursé 250 millions d'euros, c'est ça, pour Station F mmh. Inauguré par Emmanuel Macron en juin dernier. Alors pourquoi vouloir mettre ensemble toutes ces startups En fait, c'est l'idée. Il y a quelque chose dont on ne se rend pas compte, c'est que la France est devenue un des premiers écosystèmes mondiaux, et Paris notamment, un des premiers écosystèmes pour les startups. C'est-à-dire que le premier, c'est la Silicon Valley, on n'a pas de doute. Le deuxième, c'est peut-être New York, et je pense que le troisième est devenu Paris. Et Paris, donc, est la ville, la troisième ville au monde, la seule ville non américaine dans lequel on a un tel boom des startups. On a une Angleterre qui stack, une Allemagne oui, en nombre, on voulait dire en flux, en nombre, en, inv en montant investi par des investisseurs, en créativité, et, et on a tout ça. Mais c'est une image qui n'est pas toujours vue, qui n'est toujours pas toujours reconnue. Paris est un écosystème super. On a de nombreux écosystèmes locaux en province qui marchent bien, mais on avait besoin d'un lieu magique visible. Qui vous appelez ça un lieu magique. Pourquoi un lieu magique Parce que vous avez 1000 startups, 250 services pour les aider à se créer et vous poussez, vous suscitez des jeunes à aller créer ou à créer des startups à cet endroit-là. Et l'idée, c'est pas seulement prendre mes filles, c'est-à-dire issues d'un milieu social favorisé, c'est d'aller chercher des jeunes d'origine sociale complètement différente et de les amener à cet endroit-là ah. pour qu'ils créent eux-mêmes des startups. Mais alors comment les sélectionnez-vous finalement ces startups Et bien, en fait, c'est ouais. pas nous qui les sélectionnons. On a 25 programmes dans ce lieu. Par exemple, dans ce lieu, c'est la première fois que Facebook crée un incubateur dans le monde et le premier incubateur de Facebook est le seul incubateur de Facebook dans le monde. Il est dans ce lieu. C'est la même chose. Il y a une, une liste d'attente pour ceux qui veulent venir ou... eh ben, On peut avoir la liste d'attente. Nous on gère à peu près 200 startups. Eh ben, dans, euh, à côté de ça, chaque, chacun de ces grandes sociétés qui gèrent un de ces programmes a sa propre liste d'attente. Donc en fait, on peut, pour aller dans ce lieu, euh, appliquer, enfin, candidater 25 fois, plus une fois chez nous, donc 26 fois. Et le fait d'être ensemble, c'est enrichissant pour chacune de ces startups. J'ai vu que vous aviez des programmes justement de coach, de coaching. On a, en fait, l'idée, c'est de se dire... Est-ce qu'on est capable de trouver des jeunes d'origine sociale différente et de les mélanger avec des entrepreneurs classiques pour créer des nouveaux entrepreneurs et encore aller plus loin Ça, c'est votre objectif. Donc. Ouais. Et déjà, au bout de trois mois, vous avez cette impression oh bah, C'est plein, marche. donc ça, ça marche. Euh... Est-ce que c'est plein, mais c'est diversifié C'est plein, c'est insuffisamment diversifié. Donc, on a lancé un programme qui s'appelle le Fighter Programme, où on va chercher, nous, de manière proactive, des jeunes différents, d'origine sociale un peu différente, pour les amener à cet endroit-là et créer quelque chose, et créer cette stimulation. Maintenant, ça marche pour une autre manière. On a 40% de femmes créatrices à Station F. Ça n'existe nulle part ailleurs. C'est-à-dire qu'en général, dans la tech, quand vous avez 5 à 10% de femmes, c'est Le maximum. Là, on a 40% de femmes créatrices d'entreprises. Alors, le lieu est dirigé par une femme franco, enfin américaine qui aime venue habiter en France. Ça doit aider Roxane. Varza. Le, le et, et Donc, ça doit aider euh, vraiment cette chose-là. Donc, ça, c'est le premier succès. Et on a 25% de start-up euh, non françaises. C'est-à-dire qu'on a des gens, par exemple, des start-up sur le climat qui arrivent des États-Unis. C'est-à-dire qu'ils se mettent, euh, Trump dit euh, le climat bye-bye, et euh, Macron dit le Ils climat, c'est ce important. Ils viennent se réfugier en France. Ils viennent se, se réfugier dire... en France. Et on a le plaisir de les accueillir à la station F. Vous avez le Brexit. Vous avez des start anglaises qui ont envie d'avoir une visibilité mondiale et pas de pas. Dans un pays qui est en train de s'isoler, qui viennent là. On a toujours l'impression que les start uppers vont au contraire aller à la Silicon Valley, là où il y a un vrai esprit entrepreneurial, là où c'est la Silicon Valley. Et si vous vous mettez à la place d'un jeune, qu'est-ce qui vous fait et vous, vous n'êtes pas aux États-Unis et que vous avez une vision. Politique du monde, est-ce que vous préférez aller dans un pays où Emmanuel Macron est votre président ou aller dans un pays où Donald Trump est votre président Et si vous voulez, quand vous voyez ça de Chine, on a énormément de start-up chinoises, Station F, c'est-à-dire des jeunes qui se disent bon, bah, pff, globalement, peut-être que la France est un écosystème qui, 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 qui marche. Et si vous regardez dans ce lieu, on a, je vous l'ai dit, 250 services parmi ces services, on a la possibilité d'avoir un visa. Le, il y a eu un programme de visa créé par le gouvernement précédent qui Quelque permet d'avoir. pays alors on, a, on a beaucoup ouais. de Chinois, on a beaucoup d'Indiens, on a pas mal d'Américains sur des startups climat, des Anglais, mais des gens qui viennent s'installer. Qui choisiraient Paris, que... Paris, votre hub, plutôt que la Silicon Valley C'est-à-dire qu'on a 200 star, star, 250 startups qui sont venus à cet endroit-là. Alors qu'en temps normal, peut-être qu'ils seraient restés dans, dans leur pays et qui vont aller aider cet écosystème. Parce que c'est n'est pas que Station F, c'est tout l'écosystème qui marche très très bien. Et Station F n'est qu'un des éléments de, de cet écosystème. Il est visible parce qu'il est gros, mais ce n'est qu'un des éléments de cet écosystème. Alors, vous avez toujours dit d'ailleurs que la France était attractive. Hein. Je vous cite, vous avez même dit que c'était un, oui, un paradis fiscal. Pour les entrepreneurs. Oui, alors en quoi est-ce un paradis fiscal pour les entrepreneurs Parce qu'à tous les niveaux. Par rapport les... aux États-Unis, par exemple. Et bien, je vais vous donner des exemples concrets. Le premier exemple, c'est qu'aux États-Unis, êtes... quand vous faites un combat de boxe, est-ce que vous voulez vous battre contre les plus forts les plus forts, ils sont dans la Silicon Valley. Ici, on a parfois de la seconde catégorie. On a des très bons, mais si on est très bon, faut mieux être ici parce que la concurrence est plus faible. Mais ça veut dire quoi concrètement Ça veut dire que les salariés ici, ils sont fidèles aux entreprises qui se créent, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, ce sont des chasseurs de primes, les salariés passent leur temps à changer. Ici, la fidélité ça a un prix. Ça, ça, je ne sais pas si c'est un prix, c'est une chance pour un une créateur chance. de start-up de ne pas avoir des équipes qui bougent en permanence. Vous avez du financement qui n'existe comme nulle part ailleurs. Vous avez les financements privés, vous avez énormément de, de gens qui enfin, privés. Les business angels sont beaucoup moins importants en France que même en Angleterre. Ramener à la taille du pays ou ramener à la fortune du pays, non, on est beaucoup plus important ici en France qu'aux États-Unis. Mais après, vous avez tous les éléments publics qui aident. Vous avez par exemple BPI qui investit énormément d'argent, qui investit dans des milliers de start-up chaque année. En France, dans quel pays au monde vous êtes payé pour créer votre start-up En France, vous pouvez continuer de toucher, de percevoir le chômage et de créer votre start -up. Donc en France, pour créer sa startup, on peut être payé. Et ça n'existe nulle part ailleurs, ce type de choses. Donc on a un environnement avec des dizaines Donc de mesures qui peut sont. Ça ne peut-être pas su, ce que vous dites. écoutez on les... plutôt l'inverse. Les... Pour que la France soit devenue le troisième écosystème mondial, et j'espère bientôt le deuxième, parce que j'espère qu'on va battre New York, il y a quand même peut-être quelques. Des gens qui ont compris ou qui ont, qui, ont le, qui ont compris ce qui était mis, ce qui avait été mis en œuvre au cours de ces dernières Alors, années. Alors paradis fiscal, il y a déjà plusieurs années. C'est ce que vous le dites. Vous dites, mais Emmanuel Macron arrive, réforme du code du travail, réforme de l'ISF, flat tax. Finalement, la France devient-elle encore plus favorable aux entrepreneurs avec Emmanuel Macron ça, ça devient limite indécent. C'est-à-dire qu'on est devenu le paradis indécent. là des entrepreneurs. C'est fantastique. C'est-à-dire mais qu en... parce qu'on ne pouvait pas imaginer. Vous vous mettez deux ans en arrière, vous ne pouvez pas imaginer qu'on avait déjà des lois qui sont bonnes et qu'on arriverait vraiment à des lois qui soit exceptionnel pour pousser des jeunes à créer leur entreprise. Et c'est ça qui est intéressant. C'est est-ce qu'on est capable de donner envie à des jeunes Oui, parce qu'être entrepreneur, c'est déjà créer son destin, créer son propre emploi. Et au bout, en plus, on a tous les outils fiscaux, tous les outils pratiques pour aller la créer, la développer. Et sur la flat tax, justement, le rapporteur du budget lui dit que le problème, c'est que finalement, l'entrepreneur va se payer sur ses dividendes et non pas sur son salaire. C'est un effet pervers de la flat tax, l'impôt sur le capital à 30 Écoutez, pour les entrepreneurs, déjà aujourd'hui, il y a des statuts d'entrepreneurs. Si on est entrepreneur et qu'on crée sa start-up en France, le taux de fiscalité est à 23%. Donc en fait, si on et, et ce système va continuer de s'adapter. Donc, Donc ça, en fait, c'est presque ou pas. Enfin... Flat tax ou pas, ça existait déjà. Maintenant, en mettant ça et en simplifiant le système, vous mettez en avant quelque quelque, en avant quelque chose d'important. Qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous demandent ces jeunes entrepreneurs Ils vous demandent une stabilité et des choses compréhensibles. Là, vous allez avoir, j'espère, une stabilité, mais au moins, vous avez quelque chose de compréhensible. Et donc, je pense que c'est extrêmement important ce qui a été mis en œuvre, parce que ça simplifie la, le, 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 ce qui existe. C'est inégalitaire, le flat tax Tout est inégalitaire. Le, on, on, on vit par essence dans un pays égalitaire dans lequel la chance est importante. Moi, ce que j'ai envie, c'est que quel que soit le milieu social où on est né, où on a pu naître, on, on redevienne euh, égalitaire. Et l'entrepreneuriat, c'est une manière et un moyen de recréer cette égalité. Alors vous êtes premier business angel en France, Xavier Niel. Votre fonds d'investissement, c'est Kima Ventures. et a effectué des centaines d'investissements dans des centaines d'entreprises. Vous avez investi, je donne un exemple, dans Zenly. C'était l'application qui permet de localiser ses amis en temps réel. Et Zenly a été récemment vendu à Snapchat, donc le géant américain, pour 200 millions de dollars. Vous me corrigez si ce n'est pas la bonne somme. Un peu plus, mais je crois qu'ils ne veulent pas donner de chiffres ici. Au moins 200 millions de dollars. La technologie française rachetée par les Américains, c'est une fatalité non, c'est juste, vous savez, c'est un problème de non. Plus on va avoir de jeunes qui vont créer de, des jeunes entreprises, plus on a une chance d'avoir des succès, et plus on a de succès, plus on va trouver des gens qui à un moment seront capables de dire non. Pourquoi Snapchat est si fort Pourquoi Facebook est si fort Parce qu'un jour, ils ont refusé une offre de quelques centaines ou de quelques milliards. Et un jour, on va avoir au milieu de ces jeunes des jeunes qui auront envie de, de dire non ou qui auront un produit qui leur permettront de dire non. On aura un Gafa français un jour, ouais, franchement, aucun doute. Vous... Mais vous en avez déjà regardé une société comme OVH. Je ne suis pas actionnaire d'OVH, mais regardez qu'une société comme OVH, vous avez un champion mondial qui se crée au départ de la France avec quelqu'un qui est issu de l'immigration, un jeune homme qui était d'origine polonaise, qui vient en France, qui vient créer son entreprise en France. Est Donc ça bien. existe, oui, ça existe. Mais on en dira un tout de même du pouvoir des GAFA. Moi, je, pense, moi, je vous parie France. que peut-être la prochaine lettre euh, après Gafa, ça sera peut-être un O et ça sera peut-être OVH. En tout cas, je lui souhaite, parce que vous avez un véritable... Vous êtes sincère béni. quand vous dites ça. Ah ouais, ouais. Parce que vous avez une société qui a une croissance fantastique, dirigée par quelqu'un de brillant. Il finira par la bah suis... un Américain. Bah, pour l'instant, il a toujours dit non et je connais son garçon. Il a toujours garçon. dit non jusqu'à quand, dirait-il dira Mais les, non, les ouais. offres auxquelles il a refusé sont déjà des offres extrêmement indécentes et je pense qu'il continuera de dire non sans fin. Et vous, ces investisseurs sont des gens du monde entier. Ça peut être des Américains, des Français et d'autres. Je ne suis pas investisseur, encore une fois. Je okay. vous dis ça objectif. Après, j'ai des cas, tonnes vous, de... Vous, vous croyez à un GAFA français, peut-être un ouais. jour européen Est-ce qu'il faut les taxer, les GAFA aujourd'hui, les Google, Amazon, Facebook, qui créent une concurrence il faut, il, faut que, il faut que tous on se retrouve sur un pied d'égalité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que créer une start-up au sein de l'Europe, ce soit un désavantage par rapport à créer une start-up aux États-Unis et venir en France. C'est le cas aujourd'hui venir en Europe. Ça peut être le cas aujourd'hui pour un certain nombre d'entre eux. Et donc, oui, il faut qu'on retrouve une taxation juste. Pourquoi une entreprise ou une start-up française pourrait se retrouver taxée en Europe plus qu'une start-up américaine qui vient parce qu'elle va choisir un pays d'accueil plus faible alors que le start-up français, lui, son pays Donc ça vous accueil, révolte que les GAFA ne payent pas de taxes, par exemple, en France, et en, euh, comme ils le font aujourd'hui le, le mot révolte est fort. Moi, ah, je, oui. ne, je, je suis content. Si des gens ne payent pas d'impôts, tant mieux pour eux. Si ça leur fait plaisir, je suis ravi. Je, je pense qu'il doit y avoir un traitement égal dans tous ces pays euh, entre des sociétés venant d'autres pays et les sociétés européennes, quel que soit le pays où elles se créent. Parce que la proposition, justement, c'est de faire en sorte qu'il y ait une taxation sur le chiffre d'affaires et non plus sur le bénéfice. Vous pensez que c'est une des pistes intéressantes Ce n'est pas toujours la chose la plus saine, parce que le, je suppose que la marge euh, entre Google et Amazon ne doit pas être en pourcentage exactement la même. Un fait peut-être un peu plus de chiffre d'affaires que l'autre et probablement beaucoup moins de marge. Donc il faut à un moment trouver quelque chose d'intelligent. Mais c'est une première piste. Et si je, je crois tout comprendre, c'est une piste pour peut-être en amener d'autres ensuite. Merci beaucoup Xavier Niel. Vous restez avec nous, on se retrouve juste après le journal, toujours avec Xavier Niel.